Le matin de l'événement, je me suis réveillée comme à l'habitude, puis j'avais la moitié du visage qui était engourdi, là, un peu comme quand on va chez le dentiste, mais c'était vraiment très, très propagé du côté gauche de mon visage. Quand j'essayais de me lever, là, la moitié gauche de mon corps, là, c'était vraiment très faible. J'avais vraiment le poids qui se dérobait sous moi, puis je devais me tenir sur les murs. Je me suis dit, ça doit être la fatigue, là. J'ai décidé de me recoucher. Je suis allée travailler le lendemain et le surlendemain. J'avais encore le visage engourdi, puis c'est rendu au jeudi midi. J'ai une de mes amies au travail, on s'en allait dîner, puis je lui contais ça que j'avais encore des engourdissements au visage, puis elle m'a dit, ah, tu sais, ma belle-sœur a eu la même chose, puis c'était un AVC. Fait que ce midi-là, on est allé à l'hôpital Charlemagne. Les médecins, finalement, ont passé des tests, des scans, des résonances magnétiques pour finalement diagnostiquer un AVC. J'ai été hospitalisée, finalement, 3 semaines. J'ai eu peur, j'ai vraiment eu très peur. J'ai survécu à celui-là avec presque aucune séquelle, mais j'avais vraiment peur parce que je savais pas ce que ça voulait dire pour la suite des choses, puis les chances d'en refaire un, puis les chances que le prochain mais soit mortel ou soit plus dommageable. Ça m'a fait très peur. Je pense que la principale motivation, c'est que dans tout ça, ce que j'ai appris, c'était que j'étais probablement un bon exemple du fait que j'avais pas bien réagi à l'identification des signes de l'AVC. Si ça n'avait pas été de la fondation, la possibilité pour les médecins de diagnostiquer que la cause de mon AVC était probablement le problème génétique, j'aurais peut-être pas eu d'éclairage sur ce que j'ai vécu. Puis probablement que les réponses qu'on m'a données sur certaines questions n'auraient peut-être pas existé si ça n'avait pas été de la fondation.